Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre balle d'une autre vidéo de type analyse. Et c'est la vidéo analyse 72. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas manquer la prochaine vidéo. Cliquez sur l'abonnement de cette vidéo, cliquez sur la croix platée parce que c'est extraordinaire. Ok, bienvenue les frères et sœurs, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous voulons faire une analyse avec vous. Lequel des deux gens est le plus intéressé par les réseaux sociaux ou prend le plus de selfies par jour? Et aujourd'hui, nous avons décidé de faire des recherches sur les réseaux sociaux. Mais avant, faisons quand même un coup d'œil parmi les images que nous avons trouvées pour voir qui a l'habitude de prendre des selfies. Est-ce la femme ou l'homme? Et si c'est la femme, là ça va être chaud. Regardez ça. Ouh, qu'est-ce que c'est? On voit une jolie femme. C'est tout simplement là devant nous avec un moment son portable et c'est pour un selfie pour qui pour l'un. Bien entendu elle c'est pour une photo peut-être une photo souvenir mais la plupart du temps c'est pour la balancer sur les réseaux sociaux pourquoi pas se partager entre amis. Ici on voit qu'une autre femme qui a ce point elle aussi en photo et c'était intéressant c'est qu'elle est bien habillée et là une autre fille encore qui se prend elle aussi en photo. C'est devenu la mode d'aujourd'hui. Regardez, oh, comme elles sont belles. Et c'est très bien de prendre des photos souvenirs. Et là, juste ici, on n'a pas compris des garçons. Ce ne sont que des filles. Ah, les femmes. Ah, les femmes, elles sont partout, décidément. Et regardez ici, une autre belle femme. Oh, elle est là. Elle se prend en photo. Et tout ce qu'elle fait. Elle se les prend en photo. Et ça, c'est extraordinaire. Encore ici, ouh, d'autres filles, jolies, 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 qui sont là, toujours leur portable à la main, en train de se prendre un selfie, parce que c'est extraordinaire. Là, elles sont bien habillées. Vous avez remarqué qu'elles sont bien habillées, bien vêtues, tranquilles. C'est extraordinaire. Si vous voulez prendre une photo pour balancer sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, ce n'est pas interdit. Mais habillez-vous décemment. Parce que ce que vous allez voir par la suite, ça va vous permettre de comprendre pourquoi on dit ça déjà. Regardez ça, oh, une belle fille, elle est jolie, oh, elle est jolie, beaucoup de cheveux, avec un appareil, elle dit, ah, c'est pour un selfie, mais depuis, il ne faut pas des garçons, il ne faut pas d'hommes, que des filles, waouh, que des filles encore, ah là là là, mais je suis fâché, qu'est-ce qu'il ne voit pas, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, ce sont que des femmes, ah, c'est comme si les réseaux sociaux étaient créés uniquement que pour les femmes, et si les réseaux sociaux avaient juste été créés uniquement que pour les femmes. Parce que nous avons découvert des choses étranges récemment. Et encore une autre femme qui est ici, elle est jolie. Et là, c'est extraordinaire. Vous voyez ça? Jusqu'ici, on n'a que vu des filles, des femmes très belles qui prennent en photo toujours. Et nous allons maintenant aller plus loin pour voir clairement ce qui se passe concrètement sur les réseaux sociaux. Et là, ça va vraiment être chaud. Est-ce que vous êtes prêts à voir ça? Ok, ok, ok. Direction sur Instagram. On nous Instagram. Et ici, nous allons voir. Oh, vous avez vu ça? Ouh! Une femme! Mais là, est-elle bien habillée? Mais bien sûr que non! Elle est habillée de façon sexy. Toi, tu es une fille. Tu es chrétienne. Même si tu dis que tu n'es pas tout dans ce genre de toi, tu as dit que tu es une femme de valeur. Mais une femme de valeur, ça s'habille bien, n'est-ce pas? Oui, ça s'habille bien. Ça s'habille décemment. Si on ne s'habille pas n'importe comment, tu dois montrer l'exemple. Et quand tu te prends en photo, il faudrait que tu sois à la hauteur de mes attentes. Il faut que tu sois habillé quand même décemment. Et ça, c'est le minimum. Mais ce qui est étrange, c'est que... What? Est-ce que vous voyez ce que je dois voir? Elle a carrément un pied sur le monsieur. Un pied sur le gars. En fait, le gars est prosterné devant elle. Est-ce que vous voyez même? Regardez. Ah! Le gars est prosterné devant elle. Et elle a un pied sur sa tête. Vous dites que c'est moi la reine des réseaux sociaux. C'est moi la reine des réseaux sociaux. Et les gars sont les plus bien face à lui. Vous voyez que c'est pas de la blague? Elle est quand même arrêtée sur le gars. What?
Ça m'étonne. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu! Regardez! Quelle image! Je suis vraiment sous le choc. Mes frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Ça, vous devez réagir. C'est la partie en bas du commentaire. Dites tout ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas bon abonné, vous cliquez sur la cloche activée. Cliquez sur j'aime. Si vous êtes touché, si vous avez, ça même vous a dépassé. Et dites-vous vraiment ce que vous en pensez. Les réseaux sociaux appartiennent aux femmes. Aux femmes. Et quand les femmes sont là-bas, on ne dit pas toutes les femmes, hein, mais on dit la plupart, souvent, certaines filles, quand ils sont, elles font toutes des choses assez compliquées. Est-ce que cette fille, elle est mal habillée? Son vêtement couvre son corps. À ce niveau, on peut dire, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Voilà. Juste pour immortaliser l'instant. Mais quand ça devient truc comme ça, alors on se pose des questions, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Mes frères et sœurs, c'est grave. Et ici, les femmes vont devenir de plus en plus sexy. Regardez ça. Regardez ça. Regardez comme les femmes s'habillent. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez être habillé? Est-ce que c'est comme ça que Dieu lui aimerait que vous soyez? Les femmes, posez-vous de vraies questions. C'est comme si les réseaux sociaux sont utilisés comme des endroits où les gens font de la pornographie. C'est comme si c'était la pornographie gratuite. Oui, je vous parle de quelque chose. Et ces choses se confirment à chaque fois qu'on se rend sur les réseaux sociaux, juste pour jeter un coup d'œil. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est pour dire que les femmes sont, d'une manière ou d'une autre, les femmes sont en train d'être utilisées quand même par le diable et ses démons. Pour faire de ces choses assez compliquées, regardez comme cette femme, elle est plantée dans sa culotte. Et ça séduit les gens. Je ne vais pas me dire que c'est faux. Quand Dieu voit ça, il n'est pas du tout content. Et cette histoire des êtres sexy, là, ça vient du diable. Et c'est la sensualité. Les femmes deviennent tellement attirantes que aujourd'hui, on est là pour résister à toute cette difficulté pour les hommes. Les hommes maintenant sont sous les pieds des femmes. Ah! Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Si c'est faux, faut me dire. Faut me dire si c'est faux. Et regardez, la séduction. La séduction. Regardez comme la femme est. Regardez comme la femme se court, elle se poche comme ça. Regarde-moi, je suis jolie. Ah! Est-ce que c'est moi qui parle? Vous êtes là, vous d'analyser. Mes frères et sœurs, changeons de comportement. Ça m'étonnerait que Dieu soit content avec notre style vestimentaire, notre manière de faire. Mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce pas la fille qui va aller au paradis? Est-ce que c'est toi qui vas aller au paradis? Veux-tu vraiment aller au paradis? Au paradis, c'est déjà des danses, ça ne suit pas les gens là-bas. Parce que ça, c'est une danse satanique. C'est une danse qui vient tout simplement des démons. Pour inciter les gens à divulguer sexuellement. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu veux? Franchement, là, ça devient autre chose. Là, vous comprenez pourquoi nous faisons cette vidéo. Pour te dire à toi, ma soeur, qui regarde cette vidéo, si tu as l'habitude de prendre des photos nues et te balancer sur les réseaux sociaux comme si tu étais un objet sexuel, c'est dangereux. Regardez ce que les femmes sont en train de faire. Regardez ce que les femmes sont en train de faire. C'est comment elles deviennent aujourd'hui. Vous n'allez pas me dire que c'est un hasard. Ce que les femmes font aujourd'hui, vraiment, c'est la chose la plus, une des choses les plus compliquées qu'on puisse voir. Regardez ça. La sensualité, la séduction, les femmes sont devenues aujourd'hui des objets sexuels. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Est-ce que c'est ce que tu veux? Regardez comme les femmes sont habillées de façon sexy. De plus en plus sexy. Regardez ça. Mes frères et sœurs, si vous ne vous montrez pas ça, vous allez dire qu'on ne vous a jamais parlé. Vous allez dire, non, je n'étais pas informé, je ne sais pas que c'était un péché. Aujourd'hui, grâce à cette vidéo, tu découvres la vérité sur ce que tu étais de faire qui était péché. Moi, je décide à changer. Je te conseille de changer. Regarde comme tu t'appuies et tu te tournes. Tu te dis que c'est la mode, c'est une manière de vivre, c'est une manière de faire. Ça peut te plaire. Ça séduit tout le monde. Donc, si on veut dire, est-ce que c'est bon? Tout le monde va dire que ouais, c'est parfait parce que ça séduit les gens. Mais en clair, là. Au fin fond, c'est pas du tout comme ça que Dieu aimerait vraiment que tu t'habilles. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu n'as pas abonné, abonne-toi et ne manque pas la prochaine vidéo. La vidéo précédente, vous avez annoncé cette vidéo et elle est là.
Mais c'est pas encore fini. Parce que les femmes vont encore nous montrer des choses. Nous montrer des choses. Quand on parle des femmes, encore nous montrer des choses. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Elle danse, mes frères et sœurs. Elle saute à tête danser. Waouh! Et ça, ce sont nos femmes aujourd'hui. Habillées en pantalon. Oh, la parole de Dieu nous demande de ne pas nous habiller en pantalon. Elle se montre le corps. Elle s'appelle. Quand tu t'appelles là, le gars même qui est derrière là-bas, lui-même, il a du mal même à vous regarder. Regardez, regardez derrière là. Regardez juste à l'arrière. Il y a un gars même qui est là-bas. Lui-même pour regarder même à l'avant, même il y a des problèmes. Dites-le moi. Regardez, regardez. Il n'a pas envie de regarder. Il ne peut pas regarder. Ah, regardez, regardez, c'est pas bon. Abonne-toi, ne manque pas la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Qu'est-ce que tu fais encore? Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à voir. Abonne-toi. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Waouh! La suite.